investir dans une petite ville, les avantages, les inconvénients. Je vous donne ma vision dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de diriger la société investissementlocatif.com. Alors on est présent à la fois dans les grandes villes et à la fois dans des petites villes. Si je ne me trompe pas, souvent on a l'image de représenter que les grandes villes. C'est aussi ce que je voudrais démentir et dire puisque la société elle se développe et on est présent aussi dans des petites villes ou des villes moyennes et du coup je voudrais vous donner les avantages et les inconvénients. Donc dans les grandes villes, nous on est présent à Paris, à Lyon et à Marseille et dans les plus petites villes, on a des bureaux dans le sud de l'Île-de-France, c'est à 3 quarts d'heure, 1 heure de Paris, à Melun dans le département 77, donc c'est une ville beaucoup plus petite et du coup on accompagne aussi nos clients dans la construction de leur patrimoine dans cette ville-là, donc je suis vraiment en mesure de vous dire quels sont les avantages, les inconvénients, petites villes, grandes ville, qu'est-ce qu'on vient y rechercher, pourquoi certains investissent dans les deux, pourquoi certains investissent que dans les grandes villes ou certains investissent que dans les petites. La première chose, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je le dis souvent, s'il y avait un mauvais investissement, croyez-moi, je n'aurais pas implanté des salariés, je n'aurais pas acheté un immeuble à Melun, puisque vous avez vu une vidéo où je vous présente les futurs locaux. Donc, c'est juste une réponse en fonction de votre projet. C'est déjà ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est en fonction de vos attentes. Je vais vous donner vraiment les grandes différences, sans vouloir vous faire rentrer dans une case, mais pour que vous puissiez en quelques minutes avoir la vision de est-ce que vous vous retrouvez plus dans les grandes villes ou est-ce que vous vous retrouvez plus dans les petites villes. Alors, les grosses différences. Dans les grandes villes, vous êtes sur un marché où la plupart du temps, on appelle ça, il y a une forte tension locative. Ça veut dire que vous avez beaucoup de locataires, pas assez de logements. Donc, c'est un point très positif pour l'investisseur puisque vous allez avoir de la candidature et que vous allez plutôt louer facilement, avoir pas ou peu de vacances locatives, c'est-à-dire quand votre appartement n'est pas rempli. Donc, ça, c'est hyper intéressant. L'inconvénient, si on le compare par rapport à une petite ville, c'est que généralement, vous faites un rendement qui est un peu plus faible que dans des petites villes ou des moyennes villes puisque le ratio achat prix au mètre carré est un petit peu moins intéressant. Avantage, grande ville, généralement la taxe foncière en pourcentage, en nombre de jours, en nombre de semaines ou en nombre de mois est plus avantageuse dans les grandes villes que dans les petites. Sur un schéma global, parce qu'après, il faut regarder individuellement la ville dans laquelle vous êtes, mais sur ce schéma global, sur les villes que je vous ai présentées, c'est le cas. Alors, quel est l'avantage ensuite, petite ville? En gros, dans les petites villes, on va chercher généralement un rendement plus élevé, qui sera plus élevé que dans les grandes villes, instantané. Nous, par exemple, en Île-de-France, on va faire autour de 7-8% de rendement. Du coup, c'est intéressant, c'est un rendement bien entendu élevé, tout placement, tout support confondu, autre que immobilier. Inconvénient, en gros, a priori dans ces villes-là, l'investisseur ne va pas chercher de plus-value. Le marché globalement sera flat, donc ça veut dire que le point positif, c'est la renta instantanée que vous avez. Le deuxième point positif, c'est que l'enrichissement, une très grande partie, passe par tout simplement, et souvent on l'oublie, c'est le dessous de l'iceberg, c'est la partie non visible mais qui est la plus grosse de l'enrichissement, c'est tout simplement le remboursement de la dette. On accompagne nos clients, bien sûr, dans cette zone-là, sur du lot unitaire, sur des projets individuels, on fait aussi beaucoup d'immeubles de rapport, donc des immeubles entiers. Ça permet tout de suite de doper considérablement les revenus locatifs qu'on va générer et donc de rembourser tous les mois une très grosse somme qu'un enrichissement phénoménal, ne serait-ce que par le remboursement de la dette que fait l'investisseur. À l'inverse, dans les grandes villes, on va faire un rendement un tout petit peu plus faible, on va faire globalement entre 4 et 5,5 de rentabilité brute. Là, on va chercher derrière la perspective de plus-value parce qu'il y en a, je peux vous le dire, je suis à Paris, là où je tourne cette vidéo, c'est le cas à Lyon, c'est le cas à Bordeaux. Vous le savez si vous vivez dans cette ville ou si vous vous intéressez à l'immobilier, vous avez vu les progressions. Donc, vous avez un rendement qui, à l'instant T, est plus faible que le maximum, par exemple, qu'on sait faire chez Investissement Locatif. Par contre, je peux vous dire que la plus-value, là, si on regarde dans le rétroviseur sur ces dernières années, elle est phénoménale. Donc, du coup, faudrait arriver à le faire. Alors, il faudrait regarder un cas extrêmement précis et particulier, mais le rendement tout inclus avec les perspectives de plus-value, il vient doper largement ce rendement. Donc, il n'y a pas un type d'investisseur qui a raison,
un type d'investisseur 14. C'est en fonction de où vous vous trouvez, de votre propre situation. Est-ce que vous débutez? Est-ce que vous voulez vous acheter la sécurité d'une grande ville? Est-ce que vous cherchez alors uniquement du rendement? Est-ce que vous avez envie de chercher une plus-value? Est-ce que vous avez envie juste de chercher concrètement un immeuble de rapport et vous allez vous enrichir d'un coup parce que le remboursement de la dette va être grand? Donc, il faut aller chercher vraiment ce qui vous intéresse. La plupart du temps, et là c'est un peu le mouton à cinq pattes, c'est de dire je veux une grosse ville avec d'un coup à l'instant T une plus-value. Ça, sauf cas extrêmement particulier, je vous le souhaite, vous ne le trouverez pas parce que intrinsèquement vous ne pouvez pas cumuler la grosse ville, le fort rendement et à l'instant T la très grosse plus-value. Ou comme je dis souvent, vous pouvez le faire mais ce sera l'affaire du siècle, donc vous allez en faire une par siècle. Or si vous me suivez, et je vous la souhaite, mais si vous me suivez, vous savez que je parle beaucoup, beaucoup d'une notion qui m'est chère, c'est l'empire immobilier. C'est qu'il y a trop d'investisseurs qui vraiment se focus sur une affaire et sur l'affaire du siècle. Et du coup, ils seront propriétaires à la fin de leur vie d'un appartement. Alors, ce sera le plus beau, mais ils n'en auront qu'un seul. Et croyez-moi, tous ceux qui auront fait l'effet de levier de la dette et qui auront poussé se retrouveront largement plus riches. J'en suis l'exemple puisque j'ai vraiment démarré de zéro il y a 4 ans. J'ai plus de 240 000 euros de revenus locatifs par an. J'ai plusieurs compromis en cours. On se dirige fortement vers les 300, entre 300 et 350 000 euros de revenus locatifs par an. Donc, c'est largement plus élevé que quelqu'un qui serait resté focalisé sur l'affaire du siècle. Donc, apprenez, et c'est un mot qui est très présent dans les startups, apprenez à scaler votre immobilier. Il y a une vidéo sur la chaîne, je vous invite vraiment à le regarder. Je suis persuadé que cette vidéo va vous éclairer. Pour toutes celles et ceux qui doutent, est-ce que je dois aller dans une petite ville? Est-ce que je dois aller dans une grande ville? Et souvenez-vous, les investisseurs qui réussissent ne mettent jamais tous leurs œufs dans le même panier. N'oubliez pas de diversifier. À bientôt. Ciao.